DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV qui vous propose bien évidemment l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui nous sommes le 5 novembre et nous poursuivons donc notre compte à rebours qui va nous mener jusqu'au 11 novembre et 14 novembre dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et donc aujourd'hui nous allons vous parler, pour commencer la journée, on va vous parler quand même des prestations de deux internationaux congolais. Il s'agit de Neskens Keibano qui joue à Fulham en championship anglaise et de Marcel Tisserand qui hier était sur la scène européenne face à face avec les Tanzaniens Bwana Ali Samata dans le cadre toujours de l'Europa League. C'était la quatrième journée, le match qui avait opposé les Royal Antwerp et la formation turque de Fenerbahçe, les clubs de notre compatriote ministre de la Défense, Marcel Tisserand. Alors, c'est un Keibano extra large, XXL, qui s'offre un doublé et une passe décisive dans le cadre du match du championship qui avait opposé les Blackburn Rovers à Fulham. Et c'est un score de 0-7. Il faut revenir peut-être à la Coupe du Monde au Brésil pour voir un tel score. Un club, l'équipe nationale d'Allemagne avait infligé aux Brésiliens une véritable correction et c'est ce qui s'est passé dans le match Blackburn contre Fulham. L'international congolais s'est illustré en marquant deux buts à la 6e minute et à la 79e minute et en délivrant une passe décisive à la 2 minutes plus tard à la 81e minute lors de la victoire écrasante de Fulham sur la pelouse de Blackburn 7-0. Il compte actuellement 3 buts marqués et 4 passes décisives en 16 journées de championship. Bon, il n'a pas toujours été titulaire à un moment donné, mais maintenant il faut reconnaître quand même que Neskens Keibano est en grande forme, en très grande forme même. Il est vraiment complémentaire avec Mitrovic, Mitrogol, buteur de cette formation de championship. Et donc la formation de Fulham enchaîne une 5e victoire consécutive et conserve leur 2e place avec 35 points à 2 points du leader West Bromwich Albion. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Neskens Keibano qui vraiment est en forme. Voilà, il faudrait que le sélectionneur Hector Raoul Cooper puisse aligner les joueurs en forme, pas seulement en forme du point de vue du football, du terrain, du jeu, mais en forme aussi dans leur tête. Les joueurs doivent être en forme dans leur tête, donc dans une sérénité, parce que lorsque tu joues dans une équipe qui est lanterne rouge, quand on pense plus au maintien, quand on est pris par des critiques de la presse et tout, on n'est pas bien dans sa tête, donc et les jambes ne suivent pas. Donc Neskens Keibano pour le moment est bien dans sa tête, il est en forme et donc il devrait jouer parce que s'il joue des bouts de match, si on fait encore des erreurs de casting, on risque de ne pas atteindre nos objectifs. Keibano, c'est quelqu'un qui apporte de la vitesse dans son football, dans son jeu, donc c'est un aspect du problème qu'on doit tenir compte. Keibano apporte de la vitesse et pour le moment c'est la lenteur qui prime un peu dans la façon de jouer des Léopards de la RDC. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de Neskens Keibano. Félicitations, donc il continue comme ça à jouer de cette façon et la RDC pourra peut-être bénéficier encore de ses exploits, parce que Keibano c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui lorsqu'il frappe sur le ballon monte rarement au-dessus de la transversale, quelque chose comme ça. Il a une façon de positionner son corps pour que le ballon aille vraiment à mi-hauteur comme ça, et souvent ça se termine au fond de filet. Vous vous souvenez, les buts qu'il a marqué contre la Côte d'Ivoire à la CAN 2017, les buts qu'il a marqué encore, il a marqué souvent contre la Côte d'Ivoire à Abidjan, s'il avait marqué, souvenez-vous.
Et les buts qu'il avait marqués encore contre la République centrafricaine, les buts qu'il a marqués contre la Guinée à Conakry. Et donc, c'est chaque fois, le corps penché en avant et la frappe part presque au ras du sol. J'avais encore oublié un but, le but qu'il a marqué contre l'Angola et qui nous avait quand même relancé dans cette course à la CAN 2022, malgré qu'on ne s'est pas qualifié. Voilà. À présent, nous allons parler de notre ministre de la Défense, Marcel Tisserand, qui était sur la scène européenne hier face aux Belges de l'Antwerp. Le match s'est joué à Anvers, à huis clos, à cause du public de l'Antwerp quand même, qui avait créé des incidents lors d'un match le match du championnat contre le Cercle de Bruges. Et donc, l'UEFA a pris la décision de pouvoir infliger un huis clos à l'Antwerp. Et c'est bien dommage, parce que quand on est dans la course comme ça pour une qualification à l'Europa League au prochain tour, on se retrouve à jouer à huis clos comme ça, et on sait que l'Antwerp souvent puise son énergie avec son public. Et donc au match aller, déjà l'Antwerp a joué à Istanbul sans public et quand même avait tenu la dragée haute à Fenerbahçe, et surtout que Fenerbahçe, en plus de ça, dans ce match, il n'avait pas ses grands joueurs, hein. Enfin, c'est le meilleur, les Ozil n'étaient pas là, et Ener Valencia, qui avait marqué les deux buts au match aller aussi, il n'était pas présent sur la pelouse, et on pensait que l'Antwerp allait pouvoir conclure, l'Antwerp allait pouvoir gagner aisément ce match. Et c'est même ce qui s'est produit, qui avait failli se produire dès le coup d'envoi. Après 10 minutes de jeu, l'Antwerp aurait dû déjà mener 2-0 sans les certains de ces joueurs qui étaient complètement ils étaient dans une autre planète. Ils jouaient comme si ça allait rentrer, ça allait rentrer. Ils avaient le temps, comme s'ils avaient le temps de pouvoir la nonchalance, quoi. Quand on est à 3 contre un seul défenseur à l'entrée de la surface de réparation et on n'arrive pas à faire la passe à l'autre qui est complètement isolé, il y a un problème. Donc voilà. Et puis on a été aussi surpris de voir que le coach de l'Antwerp n'avait pas aligné Boan Ali Samatta, quand même le buteur du match aller. Il avait marqué, il avait ouvert la marque à la deuxième minute. On l'a laissé sur le banc. C'était vraiment une équipe d'Antwerp bien blanchie. Hein. Il n'y avait pas vraiment de... Parce qu'on connaissait l'Antwerp la saison dernière. Il y avait beaucoup de blacks, hein. Beaucoup d'origine en plus d'Afrique centrale. Hein. Il y avait les Batoubinsika, il y avait Sek, il y avait Ongla, il y avait Mbokani, Benson. Vous voyez un peu, même Jordan Lukaku. Et cette formation, les Tchadiens encore d'origine tchadienne, là, le Haroun, Faris Haroun, voilà. Et cette saison, on a blanchi cette équipe d'Antwerp, on a voulu que ce qui est un peu plus des Européens, des joueurs d'origine européenne, voilà les conséquences. Hein. La puissance africaine, ça n'a pas de prix. Hein. Beaucoup de joueurs, beaucoup de clubs maintenant utilisent cette puissance africaine pour pouvoir mener à bien les prestations sur le terrain. Donc voilà. Et l'Antwerp a été complètement balayé par la technique des joueurs du Fenerbahçe et notre ministre de la Défense, qui était un peu en difficulté au coup d'envoi. Et il s'est retrouvé sur un fauteuil, il s'est retrouvé bien sur un fauteuil, et puis les autres ont fait leur job, et Fenerbahçe s'est imposé par... Déjà à la mi-temps, c'était 0-3, c'était 0-3 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, le coach de l'Antwerp a essayé de... On remonte pas comme ça à 3 buts, surtout sans public. Hein, pour vous pousser derrière, on peut pas remonter 3 buts. Et remontade sans public, c'est impossible. Je sais pas où le joueur pourrait puiser l'énergie de pouvoir remonter 3 buts. Et voilà, l'Antwerp qui est passé à côté de son sujet. Et Samatta était entré en jeu. Hein, Samatta est entré en jeu. Et Marcel Tisserand n'a pas oublié de lui marcher sur les pieds. Et à un moment donné, Tisserand lui a marché sur les pieds. Le Congolais disait ça avant le match. On espère qu'il va lui casser la jambe, quoi. Mais c'est bon, c'est une façon de parler. Hein, c'est pas sérieux, mais bon. À un moment donné, Tisserand a failli le faire. Et Samatta a vraiment poussé un cri terrible. Mais vous savez, nous sommes quand même à 6 jours de ce match, je pense pas qu'il aurait été out à cause de cette blessure-là. Mais voilà, Samatta est entré, il a fait son travail, mais c'est comme s'il n'est pas complémentaire avec l'attaquant suisse, Frey. Il n'est pas très complémentaire et ça s'est senti sur le terrain et tout. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les deux joueurs, Desquins Kebano et Marcel Tisserand, qui sont en forme, qui sont qualifiés, et puis un autre qualifié
toujours congolais, c'est Christian Louindama. Mais ça, on va en parler dans le prochain numéro, sujet qu'on va développer ici sur DMTV. Merci de nous avoir suivis. DMTV vous dit déjà au revoir et à tout à l'heure, parce qu'on a encore d'autres sujets. La journée sera encore longue. Nous sommes le 5 novembre 2021 et toujours, nous allons parler des deux matchs entre la RDC, la Tanzanie et la RDC, et puis RDC contre le Bénin. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin d'être alerté dès que l'on mettra la prochaine vidéo. DMTV vous dit au revoir.